Mon voisin fait un bruit de dingue tout le temps. Hormis de me conseiller de déménager, vous avez une solution? Il va falloir démontrer que le trouble est anormal. Qu'est-ce que l'anormalité? C'est la gravité, la récurrence et la persistance du trouble. Comment démontrer que c'est un trouble anormal de voisinage? Par des constats d'huissier, par des procès-verbaux ou encore par des expertises. Et si ce que j'ai commandé sur Internet ne marche pas, j'ai un recours contre le vendeur? Oui, vous pouvez invoquer la garantie des vices cachés. Qu'est-ce que le vice caché? C'est-à-dire un défaut que vous n'avez pas décelé au moment de votre achat et qui rend la marchandise impropre à sa destination. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit vous gardez le produit et dans ce cas-là, vous allez demander à ce qu'il y ait un remboursement partiel du prix, soit vous rendez le produit et vous aurez la restitution du prix. Ma voiture sort de chez le garagiste et elle est déjà en panne. Je porte plainte? Non, vous n'allez pas tout de suite porter plainte. Vous allez déjà regarder s'il y a un lien entre la panne et l'intervention du garagiste. S'il y a bel et bien un lien, eh bien, il y aura une présomption de mauvaise exécution de la réparation de la part du garagiste. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller le voir pour essayer de trouver une solution amiable. Et si vous n'y parvenez pas, eh bien, vous agirez en justice dans les 5 ans. Mon mariage a été annulé à cause du Covid. Je peux me faire rembourser l'argent de la salle et du voyage de noces? Déjà, vous allez regarder les clauses qui sont dans votre contrat. Vous pouvez annuler votre contrat de location dès lors que les conditions de la force majeure sont réunies. Quand l'empêchement est définitif, vous allez pouvoir récupérer les sommes que vous avez versées. Le Covid a été jugé par des juridictions comme étant un cas de force majeure.